Anna diabétique. Je suis diabétique et hypertendue aussi. J'ai testé le lait de chamel. Tous les 3 jours, je viens en acheter. Et j'ai remarqué une amélioration de mon état de santé. On se lève tôt, à 6 heures du matin, pour traire nos chamelles. Les gens viennent des 4 coins du pays pour en acheter. Nous avons beaucoup de clients. Connu pour ses vertus innombrables, le lait de chamel, un produit naturel et riche en vitamine C, il serait très bénéfique dans les traitements contre le diabète. Les habitants de la région de Béchar trouvent dans le lait de chamel des vertus insoupçonnées dans le traitement de maladies graves, comme le cancer. Ici, à Sadrat Msaoud, à 10 km de la ville de Béchar, les gens de toutes les régions prennent la route pour de longues heures afin d'acheter le lait de chamel, ce remède tant apprécié par les natifs de cette région. Je viens souvent pour en acheter. Je souffrais de maux de tête ainsi que de problèmes intestinaux. Grâce au lait de chamel, je commence à guérir et je constate ses bienfaits au fur et à mesure. En effet, le lait de chamel contient des anticorps résistants aux maladies et moins de matière grasse par rapport au lait de vache. Il est donc facile à digérer et peut se conserver jusqu'à 12 jours. Je suis diabétique et mon taux de sucre a considérablement baissé depuis que j'ai commencé à prendre du lait de chamel. Le lait de chamel ou ce breuvage miraculeux a longtemps constitué la source énergétique préférée des nomades du Sahara. Hasard ou coïncidence, ces hommes du désert ne souffrent d'aucune des maladies du siècle.